J'ai dénoncé une personne pire qu'Hitler. J'ai dénoncé une personne qui fait à plusieurs personnes et surtout une personne que je connais et lui fait des tortures physiques. Des tortures physiques et en fait j'en suis témoin. C'est des tortures mentales et des tortures physiques, les deux, c'est deux, c'est mental et physique. C'est pour que la personne elle perde. En fait, il garde la personne quelque part, contrôlée physiquement et mentalement. Il la contrôle mentalement pour qu'elle perde et qu'elle soit la personne qui perde. Et physiquement, il la torture en même temps. Et là, il y a un arrêt normalement. Il y a un arrêt de ces gens par la loi. Il y a un arrêt. La personne, elle était torturée physiquement et mentalement. Et en fait, c'est de la grande torture, vous comprenez, si vous n'avez jamais vu ça dans votre vie. Il, en fait, garde la personne quelque part et il abuse complètement du corps de la personne. C'est-à-dire qu'il la torture physiquement avec des machines, je pense. Et non, non, si, c'est eux, voilà, qui ont dit non, 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 voilà, c'est ça. Ils veulent pas être dénoncés. Et en fait, ils torturent physiquement la personne. Et je suis témoin, voilà, je suis témoin qu'il torture physiquement la personne. J'ai des visions claires, éveillées, voilà, de la personne qui est torturée. Hey! Hey! Voilà. J'ai des cris de la personne à chaque fois. J'ai des cris de la personne qui souffre. Elle souffre parce qu'elle est torturée par eux. Et non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Et là, il y a des menteurs. Il y a des menteurs qui le savent en même temps. Et en fait, ils me font vivre cette réalité. Et c'est complètement bloqué. Voilà, c'est complètement bloqué. La personne, elle a été torturée physiquement et mentalement. Et je veux dire, il s'appuyait sur la personne même quand il la faisait inconsciente, parfois volontairement. Il rendait la personne inconsciente, il s'appuyait sur elle, il la torturait, puis il la remettait consciente. Et en fait, ils sont totalement fous furieux. C'est des fous furieux. Ils, en fait, ils utilisent la vie de la personne comme si elle était rien du tout, comme si elle était un jouet. Et ils font ce qu'ils veulent de la personne. Et là, c'est un arrêt. Voilà, c'est un arrêt. C'est pour punir ces personnes, voilà. C'est pour qu'elles soient punies.